Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Avec ce soir Jean-Luc Lemoyne, Caroline Diamant, Arnaud Gidois, Elsa Fayet, Annie Lemoyne et Pierre Bénichoux. Un Pierre Bénichoux particulièrement heureux, je dois le dire. Oh, c'est pas dévoiler les secrets des coulisses, mais je crois que ce sont vos deux chouchoutes qui vous entourent ce soir. En effet, je vois que tout se sait. Quelle désillusion pour Annie Lemoyne, quand même. Elle espérait énormément de Pierre Bénichoux. Non, mais quand son frère est là, moi, j'ose pas. Alors, dites donc, vous êtes... C'est la mode. Quoi, c'est la mode? Ah oui, c'est la mode. Oui, mais dans quel pays? Moi, on me l'a dit, Annie Lemoyne, elle a une sacrée paire de coudes. Bon, bah, je crois qu'il est temps de passer tout de suite à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle du Premier ministre qui reste à Matignon. Oui, Alain Juppé est reconduit par le président Chirac pour décider de tout ce qui va se passer dans le gouvernement. C'est lui, le Premier ministre. C'est lui qui l'était. C'est encore lui, Pierre, franchement. Ah bon, vous avez des informations que je n'avais pas? Bon, on nous dit partout que c'est lui qui décide des ministres, qui va rester. C'est même lui qui a décidé que M. Raffarin restait, parce que oui, M. Raffarin, lui, reste porte-parole du gouvernement. On peut dire ça. Non? Mais c'est bien, moi je trouve, à chaque fois on se plaint parce qu'il y a des licenciements pour une fois qu'on maintient un emploi. C'est bien. Alors attention, hein. Monsieur Raffarin est reconduit, mais pour 3 mois seulement, nous dit-on, en tout cas le temps de déménager sa maison du Poitou-Charentes jusqu'en Alsace. Faut bien 3 mois quand même. Et Nicolas Sarkozy, alors il passe où Nicolas Sarkozy? Bien, c'est officiel, le ministre de l'Intérieur passe à l'économie, ce qui est finalement la suite logique de son travail, puisqu'après nous avoir pris en photo, flashé sur l'autoroute, il suit le dossier, maintenant c'est lui qui va ramasser l'argent des PV. C'est ça! Non, mais c'est dommage. Quelle image on donne aux Français? Vraiment, c'est l'intérêt personnel qui passe devant l'intérêt des Français. On se dit, c'est la carrière politique qui se joue là, c'est pas l'intérêt des Français. L'intérêt des Français, c'était qu'ils suivent les dossiers, qu'ils continuent à bosser là où il était bien, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, je crois qu'il en avait envie. En gros, ce que vous dites, c'est que un de ceux dont on disait dans les ministres qui était le meilleur à son poste, c'était Sarkozy. Et c'est lui les Français disaient, bah oui, à l'intérieur, Sarkozy fait du bon travail. En tout cas, c'est ce que pensait la majorité à peu près des Français d'après les sondages. Et c'est celui-là qu'on enlève de son poste de ministre de l'Intérieur. Je vous engage comme porte-parole. Merci. Alors, à l'intérieur, à la place de M. Sarkozy au ministère de l'Intérieur, c'est maintenant M. De Villepin. Et sur cette photo que publie ce matin le journal Le Parisien, on voit bien qu'entre M. De Villepin et M. Sarkozy, on joue déjà à « Je te tiens, tu me tiens » par la barbichette. Le premier qui rira remplacera Raffarin dans 3 mois. Jean-Pierre Raffarin, c'est donc officiel, reste à Matignon. Le Parisien titrait même ce matin « Jacques Chirac trouve des qualités à Raffarin ». Comme quoi, on a quand même fait de vraies avancées dans le domaine de la recherche. Et l'autre titre terrible, pourtant venu du Figaro ce matin, regardez, Chirac redonne une chance à Raffarin. Et là, vraiment, on se demande si c'est vraiment une chance de dire à quelqu'un « Bon, allez, tu restes, on n'a pas trouvé mieux pour prendre des coups pendant 3 mois. » Monsieur Raffarin avait déjà un nez de boxeur, il baissait la tête pour avoir l'air d'un coureur, mais en fait, il fait plutôt penser, je trouve, à Christophe Dugarry, à l'époque de la belle époque des Bleus, hein, pendant le Mondial, sifflé par le public, mais maintenu par le sélectionneur. D'autres commentaires? Pierre? Non, non, je trouve que la formule est très jolie. Vous devriez animer une émission politique. Ah oui? Non, mais, ah oui, vraiment, ça, vous devriez, parce que c'est très bon, ça. Sifflé par le public et maintenu par le sélectionneur. Très bien, je le note. On peut pas dire mieux. Vous pouvez la refaire dans une émission prochaine, les gens oublient d'une émission à l'autre. Caroline, un mot sur tous ces remaniements? Non, mais si vous faites une émission politique, je pense que je vais être au chômage plus vite que prévu. En tout cas, on peut dire que Chirac a vraiment le goût du contre-pied. Il est dissous quand on l'attend pas. Il gardera Raffarin alors que tout le monde est partant. Peut-être qu'il va partir au moment où on pensera qu'il... Mais Chirac, il reste, on a des infos ou pas? Chirac reste, par contre, c'est chiant. Oui, le président Chirac reste. Ça, c'est pas...
Non, non, la seule chose qui embête vraiment Chirac dans toutes ces élections, c'est qu'il va être obligé, lui qui aime bien l'île Maurice et tout ça, il va être obligé d'aller passer ses vacances en Alsace. Et ça, c'est embêtant. Enfin, ça, c'est pas gentil. Vachement bien à l'Alsace. Parce que c'est très beau l'Alsace. Moi j'adore Strasbourg qui est une des plus jolies villes de France. Absolument, d'ailleurs j'ai des ascendants alsaciens moi-même, mais ça n'intéresse pas. Ça se voit pas. Tout ah ouais. La célèbre choucroute merguez. Dans la presse, les dessinateurs s'en donnent d'ailleurs à cœur joie. Dès ce matin, regardez Pétillon dans Le Canard enchaîné en trois cases. D'abord Chirac qui dit à Raffarin « J'ai besoin de vous ». Le Premier ministre qui lui répond « Mais je suis usé, Monsieur le Président, usé ». Alors Chirac lui dit « Mais il faut continuer, je vais vous épuiser, vous éreinter, vous harasser, vous exténuer, vous ravager, vous lessiver ». Et Raffarin repart disant « Ah, je me sens tout ragaillardi ». C'est un beau résumé, hein. Ouais, c'est ça. Le même dessinateur Pétillon revient, lui, sur la fameuse expression de M. Raffarin, l'intelligence de la main. Et on la voit, sa main à Raffarin, il fait une région. Delambre, toujours dans Le Canard enchaîné, qui nous dit « Raffarin rempile, vous avez aimé le Raffarin impopulaire, vous aimerez le Raffarin impopulaire ». Cabu, lui, nous dévoile le nouveau plan social du gouvernement, priorité aux handicapés. Un autre dessin très drôle, signé Pétillon dans Le Canard enchaîné. On voit M. Chirac avec M. Raffarin qui regarde la carte des résultats de dimanche dernier. Le président dit au Premier ministre « Ils sont passés où, vos restaurateurs? Tous en Alsace ?» La réaction du Premier ministre suite au vote des Français de dimanche, la France d'Angelan. Il aurait pu finir, hein. C'est le caca finir. Et encore un autre dessin dans Charlie Hebdo signé Charb, celui-là. Raffarin peut rebondir. Des projets, monsieur le Premier ministre, obtenir le statut d'intermittent. On quitte le dessin pour le cinéma avec les producteurs de cinéma, alors qu'ils n'ont pas tardé à réagir à l'actualité politique, puisque sort aujourd'hui d'abord La Passion du Christ. Regardez, c'est pas tout à fait le même que celui qu'on voit sur les affiches. C'est Le Chemin de Croix de M. Raffarin. Ça lui va bien, hein? C'est un calvaire pour M. Raffarin. Un autre film, L'Incruste, avec Alain Juppé, toujours dans l'ombre à l'Élysée. C'est bon, ça. Et Starsky et Hutch, enfin réunis sur vos écrans, Sarkozy et De Villepin. Mais monsieur De Villepin, on le reconnaît pas en bleu. Michel Alliomarie, là. Tandis que Sarkozy, ça lui va vachement bien. Ah ouais, ça lui va super. C'est Starsky, hein, c'est ça, ou Hutch? J'ai jamais dit Starsky. Starsky, Starsky, le brun, c'est Starsky. Sarkozy en Starsky, c'est formidable. C'est parfait. Parfait. Et le couple vedette du moment, là, on passe dans l'opposition, Ségolène Bellucci et Vincent Hollande. Madonna, Liz Taylor, Demi Moore, les voilà, sinon. Histoire de faire croire aux téléspectateurs qu'on avait un plateau d'enfer. Non, pourquoi j'ai cité ces trois noms-là, ou même Britney Spears aussi, c'est parce que depuis quelques temps, ces femmes portent un petit bracelet rouge au poignet. Ce sont des stars, et selon certains, le port de ce bracelet serait le signe distinctif d'appartenance à la cabale. Alors la cabale, c'est une étrange et obscure religion qui, paraît-il, fait fureur chez les stars du showbiz. En France, Sophie Favier et Nolwenn Leroy, qu'on n'a pas invité, en portent aussi. Mais c'est peut-être juste pour copier les vedettes américaines. Pour en savoir plus sur la cabale, qu'est-ce que c'est que cette cabale avec un K? Est-ce que c'est une vraie religion? Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est une chanson de Lynn Renault, la fameuse... La cabale au Canada. Voilà, bravo. Ah, pour éclairer vos lanternes, on va accueillir sur ce plateau un rabbin, docteur en philosophie. En 2000, il avait publié « Mystère de la cabale » aux éditions Assouline. Voici M. Marc-Alain Wachtmeen. Bonsoir, monsieur. Ah, je dois dire que pour préparer cette émission, vous nous avez donné du boulot. Hein, parce qu'il y a certes ce bouquin sur les mystères de la cabale qui nous intéresse aujourd'hui, mais un autre sur les grandes religions, un autre, ça c'est celui que je trouve le plus passionnant, bon, sur le mystère et les mystères des chiffres. Mais là, c'est la cabale qui nous intéresse tout d'abord, parce qu'effectivement, on a remarqué que sur toutes les photos, la presse s'en est fait l'écho, des gens comme Madonna, comme Britney Spears, Demi Moore, avaient ce petit bracelet rouge qui signifie, paraît-il, qu'elles sont adeptes de la cabale. Alors, qu'est-ce que c'est que la cabale?
Cabal. Moi, je dirais tout simplement, c'est un art de vivre. C'est-à-dire que c'est un art de vivre qui est transmis de génération en génération, qu'on soit religieux, pratiquant, juif ou pas, je dirais, le bien-être appartient à tout le monde. Si vous voulez, c'est un terme hébraïque qui signifie la réception. Et donc, les kabbalistes sont des gens qui reçoivent quelque chose. Ils reçoivent en fait une tradition secrète, qui est la tradition secrète de la Bible. Et la Kabbale, c'est la Kabbale du judaïsme. Ça appartient au judaïsme. Au XVIe siècle, il y a eu, par le biais de Pic de la Mirandole, une traduction de la Kabbale pour le christianisme. Et donc, il y a eu la naissance d'une Kabbale chrétienne, mais qui est en fait surtout un remake de la Kabbale juive. Et donc, je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je voudrais vous poser une question quand même. La Kabbale, comme vous dites, c'est une sorte de lien secret pour les gens qui sont des spécialistes du Talmud, du Pilpoul, de toutes ces choses judaïques. Mmh. Et après ça, ils peuvent arriver à la réception de ces secrets. C'est bien ça. Oui. Que sont la Kabbale. Alors, quand vous faites un livre de 600 pages pour dire la Kabbale expliquée aux gens, est-ce que vous commettez pas le péché suprême, c'est-à-dire de livrer aux infidèles les secrets qui ne devraient être qu'à des religieux fervents? Dans les livres de la Kabbale, il y a toujours, par exemple, si on vous dit, si vous faites ça, ça, ça et ça, vous pourrez faire certaines choses et vous allez réussir. Et quand on a une initiation de maître à disciple, parce que ce qui est très important, c'est qu'il n'y a jamais de kabbalistes qui n'ont pas de maître. Et quand je vous dis, par exemple, il y a 5 clés pour réussir, dans mon livre, par exemple, une des clés est fausse, parce que ça permet de vérifier que celui qui reçoit la Kabbale la reçoit de manière initiatique, de maître à disciple. Ouais. Ça veut dire que la Kabbale... Il ne donne pas toutes les clés. Voilà, ou il en donne trop. En voilà, non, la Kabbale, je dis, c'est, voilà, il y a 5 clés, il y a 5 portes, mais je ne vous dis pas à quelle porte correspondent les clés. Ah, c'est Pardon ? Oui, c'est exactement. Alors, attendez, j'essaie de comprendre. Hein, après, je donne la parole à mes petits camarades. C'est fort brouillard, vous avez dit. Oui. J'essaie oui. de comprendre. Après, mes camarades vont parler. Mais ça veut dire, par exemple, moi, admettons, je me dis, tiens, après tout, ça a l'air intéressant. Si c'est vraiment un mode de vie, après, Madonna, elle a l'air en forme. Demi Moore aussi. Britney Spears, elle a la pêche. Moi aussi, tiens, pourquoi pas. Allez, hop, je vais être adepte de la Kabbale. Il faut aller voir qui, alors. Qui va me donner les grands secrets de la Kabbale? D'abord, on peut s'initier à travers les livres. Et ensuite, dans les livres, on va rencontrer des personnages, des maîtres, et d'information en information, on va trouver le maître qui nous correspond, parce que tout maître ne correspond pas à chaque disciple, mais ce qui est très important, c'est cette filiation, si vous voulez. C'est-à-dire que dans mon livre, Les mystères de la Kabbale, il y a deux sortes de Kabbale. Il y a une Kabbale pratique, par exemple, où je peux avoir le secret des noms de Dieu, et à partir de cela, par exemple, puisqu'il y a le film d'actualité de La Passion du Christ, le Christ avait, qui habitait, donc qui était juif, comme vous le savez, qui habitait en Israël, et avait été initié à des secrets de la Kabbale, mais de la Kabbale pratique, ce qui lui permettait de réaliser des miracles. C'est-à-dire qu'il avait à sa portée un certain nombre de noms de Dieu, et la combinatoire des lettres des noms de Dieu permet de réaliser certaines pratiques magiques. Par exemple, ce que les évangiles racontent du passage sur l'eau du lac de Tibériade, c'est une pratique que certains de mes maîtres savent faire aussi. Ah oui. Seulement, quand j'ai demandé les clés, on ne me les a pas données. Ah, vous ne savez pas. Moi, je ne sais pas. Vous pensez que quand on connaît le secret, on marche sur l'eau? Quand il y a la Kabbale pratique... Ce n'est pas la Kabbale qui va beaucoup plus loin que je croyais, oui. C'est votre cynisme va beaucoup plus loin que je croyais. Non, mais parce que, par exemple, oui. En Amérique, vous avez un homologue oui. qui est considéré... C'est celui que Madonna et toutes les autres vont voir. Qui est considéré par tout ce qui a un peu de jugement dans le monde comme un escroc intégral. Oui. Et vous allez plus loin que lui, alors. Donc, pas du tout, parce que je considère aussi que c'est un escroc. Ah donc, c'est pour ça que je voulais pas le nommer, donc je me permets de le dire et je vais faire attention avec mes gardes du corps en sortant. Vous avez des gardes du corps, là, vous êtes très sympathique. C'est qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on vend, par exemple, dans la Kabbale? La Kabbale, c'est une initiation de maître à disciple. D'accord? Oui. Et l'idée essentielle, si vous voulez, c'est aussi d'une certaine manière, maintenant, pourquoi ces gens se tournent vers la Kabbale, c'est important, c'est que les êtres humains que nous sommes, nous avons tous besoin de transcendance. Nous avons tous besoin de nous tourner vers quelque chose d'un peu supérieur. Dans la Kabbale, on appelle cela recevoir la lumière de l'infini. C'est un terme... Mais ça ressemble à une secte, tout ce que vous me racontez là. Justement, ce qui est très intéressant, c'est que la Kabbale en soi n'a strictement rien à voir avec une secte. Ça veut dire qu'il y a une incompatibilité entre la Kabbale et l'argent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un vient vous dire
que pour acquérir soit le petit bracelet rouge, soit les secrets de la cabale, il faut donner de l'argent, on sait déjà, et c'est la preuve, je dirais, la plus simple, que la personne qui est en face de vous est un charlatan. Arnaud Gidouin. Et au quotidien, pour nous, ça peut se traduire comment? Ça se passe comment? Si je suis, par exemple, vous, qui serez mon maître, ça va se passer comment pour moi? Je vous expliquerai, on va d'abord apprendre à lire, parce que... Ah, ça, il en a besoin. Important. Voilà. J'essaie de l'apprendre à lire. Voilà, non, mais parce que ce qui est important, si vous voulez, c'est que c'est une étude. Or, une étude, c'est pas simplement l'apprentissage de penser, c'est un rapport au livre qui est essentiel. Apprendre à lire, ça veut dire apprendre à interpréter. Ça veut dire ne pas être enfermé par des paroles qu'on vous impose. Donc si demain on me dit par exemple, oh bah tiens, t'étais viré de l'émission, c'est bon, il faut que je positive quand même. Voilà, alors c'est ce qui s'est passé avec Monsieur Raffarin. Voilà, c'est il a été victime d'une cabale dimanche dernier. Ouais. Et finalement, oui, il est positif depuis. Caroline Diamant. Qui elle connaît essentiellement la cabale au fond du jardin. Ouais, ma cabale au Canada, quand vous avez dit. J'ai entendu parler, vous parlez de la transmission orale. Oui. Vous dites que c'est une transmission importante de la cabale. Moi, j'ai entendu parler de ce livre, La cabale, pas le vôtre, il n'était pas écrit encore, quand j'étais petite. Et on m'avait dit, donc oralement, on m'avait transmis que c'était un livre qui était accessible aux gens d'une grande érudition de la religion, que si on n'avait pas l'érudition nécessaire pour lire ce livre, on pouvait devenir fou. À essayer de comprendre tout ce que recelait la cabale. Oui. Et je trouvais, j'ai grandi avec cette idée qu'il y a un livre qui existe. Donc c'est vrai que c'est assez excitant quand on est petite, de se dire, il y a un livre qui existe, et ben on est normal quand on commence à le lire, et on peut devenir fou à la fin. Oui. Alors, je ne Est-ce sais que pas... Est-ce c'est vrai ça ou pas? C'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que l'idée de départ, c'est que l'on dit qu'il faut commencer l'étude de la cabale à partir de 40 ans. C'est-à-dire qu'il faut une maturité. Donc dans 10 ans pour moi. Mais c'est voilà. Pas celui-là. Et moi dans 15. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter que j'ai pas envie qu'on vous attaque, parce que vous n'avez rien d'un escroc ou d'un charlatan. Vous êtes un homme érudit. Vous avez écrit un livre pas à la portée de tout le monde, et je le dis d'autant plus qu'il n'est pas à ma portée du tout. Ah, moi, ça m'a rendu fou, c'est pas compliqué. Et donc, mais ça m'a intéressé et oui. Ça m'a donné une envie que je ne réaliserai peut-être pas, mais j'aurai envie de passer du temps avec vous et de vous poser un milliard de questions. Le malin, le malin. Voilà. Mais c'est comme seulement ça, c'est une question. La cabale, et donc, je pense draguer, que c'est intéressant pour ça. On va poser une question, simplement, parce que je crois que c'est une des premières questions dans vos livres. Qu'est-ce qu'un ange? Oui. Alors, quand vous posez des questions comme ça, qu'est-ce qu'un ange? Vous posez à l'érudit, vous êtes le fils d'un saint homme qui est le grand rabbin de Marseille. Tout à fait, oui. Vous avez été psychiatre, faites tout ça. Et vous avez la générosité de venir dans une émission populaire comme ça, bien que vous savez que ça va pas faire vendre, ça va faire arrêter la vente de votre livre. Oui. Vous venez quand même, oui. C'est formidable quand même, non? Il n'y a aucune notion d'intérêt là-dedans. Hein? Ah, vous, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de dire, si je comprends bien, qu'il y aurait peut-être un intérêt, un rapport entre le fait de venir à cette émission et la vente de mes livres. Alors je dirais tout simplement que ce bien livre, trouvé. Il est paru il y a déjà très longtemps. Vous m'invitez pour ce livre, c'est pas c'est le livre que qui je vais sortir. C'est nous qui l'avons sollicité, ce sollicité. Non, monsieur, seulement, c'est il y a effectivement, on dit en général qu'il y a un rapport entre les Juifs et l'argent, etc. Non, c'est pas du tout ce que non, je veux mais, dire. Et puis vous avez cité mon papa. Moi, je vais vous parler de ma maman. Parce que ma maman, je lui ai dit qu'elle regarde l'émission. Et la dernière fois, elle m'a donné deux cravates. Comme je ne sais pas laquelle mettre, j'en ai pas mis. C'est pour ça que j'ai pas de cravate. Oui. Mais les mères juives, avec la transe en voilà, disant, tu n'aimes pas l'autre. Voilà, c'est la vieille exactement. Histoire. Mais les mères juives, les mères juives, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'en ai croisé. C'était la première que vous avez croisée. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette histoire avec trois mères juives qui sont sur un banc. La première, elle dit, vous savez, les mères juives, leur fils, il est toujours le plus formidable. Et la première, elle dit, mon fils, par rapport à l'argent, il est tellement riche, qu'il peut acheter un quartier entier de Paris. Que dis-je, un quartier? Il peut acheter tout Paris. La deuxième fait, c'est ça ton fils. Le mien, il est tellement riche, il peut acheter un quartier entier de New York. Que dis-je, un quartier, il peut acheter tout New York. La troisième, elle dit, vous parlez, mais qui vous a dit que mon fils à moi, il voulait vendre? Jean-Luc. Ouais, je suis comme Caroline, j'avais entendu parler de ce livre qui rend fou, mais c'était les mémoires de Loana, donc ça n'a rien à voir. Donc je sais que vous avez écrit Le mystère des chiffres, oui. Le mystère de la cabale, pour moi il faudra écrire Le mystère de la migraine, j'ai rien compris, j'ai absolument rien compris. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai appris plein de mots intéressants pour le Scrabble, comme
Kabbale, ce qui est bien, ça a 2 B et 1 K. Oui. Donc ça, c'est alors, toujours... ce qui est bien, c'est qu'il y a l'alternative, on peut l'écrire aussi avec un C au c'est début. Toute dernière question. Pourquoi alors des gens, pourquoi sont des vedettes comme Madonna, Britney Spears, Demi Moore, pourquoi cette mode alors de la Kabbale? Par rapport au fil rouge dont vous avez parlé, ça n'a rien de kabbaliste du tout. Ah bon? Rien. Alors si ça, c'est une mode. C'est une mode et qui est beaucoup plus orientale, si vous voulez. C'est plus du côté des pays arabes où ce signe-là est un signe de, je dirais, comme le mauvais, contre le mauvais œil. Allez, les mystères de la Kabbale, c'est chez Assouline, Marc-Alain Wachtin. On va vous remercier d'avoir essayé de nous éclairer. J'avais préparé un cadeau pour vous, mais c'était tant pis. Quoi ben, c'était le calcul de votre valeur numérique à partir de ce que j'explique dans les mystères des chiffres. Oui, j'ai vu ça. Mais je le ferai une prochaine fois. Mais vous pouvez me dire, oui, Laurent Ruquier, grâce aux lettres, vous arrivez à déduire quelque chose. Non, je dis simplement que la valeur numérique de Laurent, parce que c'était quand même une émission un peu ludique, donc allez-y. Je me suis dit, ben, ça fait, on aurait pu le faire simplement si on le fait rapidement. L, c'est 30, A, c'est 1, U, c'est 6, R, c'est 200, E, c'est 5, N, c'est 50 et T, c'est 400. Vous calculez et vous verrez que ça fait, de manière réduite, 17. 17 en hébreu, ça veut dire bon, ça veut dire bien, ça veut dire sympathique. Je vous remercie. D'accord, mais attention, ça tient pas là. Ne partez pas comme ça. Si vous voulez, je reste là. Ne partez pas comme alors, ça. Parce que ça... C'est avec le calcul du prénom, Laurent. Mais il y a Laurent Fabius, il y a Laurent Fignon, il y a Laurent... Voilà. Ils ne sont pas tous sympathiques, forcément. Ben voilà, donc il fallait faire... Ça fait 17. Oui. Mais son impresario, on lui prend 10%. Il lui reste combien? Alors ça, c'est une bonne question. Ça, je vais répondre à cette question parce qu'elle est très bonne. Donc son impresario prend 10%. Et donc, combien il lui reste? Moi, ça me rappelle un ami qui me disait... Moi, j'adore le commerce. Quand je dis... Je vends. Quand je dis j'achète, j'achète. Quand je dis je donne, je dis. Allez, on va vous remercier. Marc-Alain Wachtin, merci beaucoup. Merci. Physio, c'est un métier très sympathique dont le principe est de faire le pied de grue à l'entrée d'une boîte de nuit et de décider qui pourra ou non pénétrer dans les lieux. Physio, c'est l'abréviation de physionomiste et c'est vrai qu'il faut l'être. Physionomie, c'est-à-dire bien reconnaître les gens à l'entrée d'une discothèque ou d'une boîte. Pour parler avec nous de ce sujet, nous allons tester une incontournable des nuits parisiennes. Elle est physio, plus vraiment physio, elle va nous l'expliquer. Voici Josie. On vous a laissé rentrer? Difficilement. Parce qu'on a un physio, nous aussi, à l'entrée. On a Joseph qui est là. Il laisse pas rentrer tout le monde, attention. Hein. Bonsoir tout le monde. Quelle boîte vous avez fait à Paris, on peut le dire? La Poste, les Bains, Castel, prochainement le Cabaret. Alors avant, je voudrais vérifier si vous êtes vraiment physionomiste. Non pas de métier, mais de qualité. Est-ce que comment vous avez les qualités d'une physionomiste? Oui, d'abord, à tout hasard, est-ce qu'il y aurait quelqu'un sur ce plateau que vous connaîtriez? Quelqu'un qui aurait l'habitude de fréquenter les boîtes la nuit? Je reconnais tout le monde. Oh, regardez c'est Pierre. Pas vrai, non seulement physionomiste, mais prudente. Pas balance. Bon, alors, c'est vrai que vous connaissez tout le monde, en fait. Oh, bah, depuis 35 ans que je travaille la nuit, j'avoue que j'ai eu le temps de connaître pas mal de monde. J'ai fait 10 ans de vestiaire au Bus Palladium. Et j'avoue que c'est là que j'ai tout appris. J'ai appris à connaître les gens, à les écouter, à me retenir leurs prénoms, très important. Et c'est après que j'ai eu cette expérience à La Porte, et pas très longtemps, 8 mois, mais j'ai pas du tout aimé. J'avoue que je peux le dire, ça, que j'ai pas aimé. Ah oui, bien sûr. C'est trop difficile, c'est trop de responsabilités, c'est trop stressant, c'est trop... Faut être à la limite pas gentil pour faire La Porte et... Oui, parce qu'on peut pas faire rentrer tout le monde, ça c'est sûr, donc... Non, mais bon, il y a des... Il y a façon de le dire. Mais oui, alors surtout essayer d'être tout le temps calme et poli, ce qui n'est pas facile parce qu'on est insulté, on est traité de... Ah, il y a un mot qui est absolument magnifique, c'est que quand on dit non, on est mal baisé. Mm-hmm. Bah, comme en voiture, hein, quand on fait un petit dérapage, on nous traite de mal baisé tout de suite. Hein. Mais ça arrive souvent. Ma pauvre Catherine. Même si je t'appelle Catherine, moi c'est nouveau ça. Caroline. Ah, vous la connaissez, Caroline? Non, pas du tout. La preuve, je viens de l'appeler Catherine. Oh, attendez-vous. Il y a des dossiers, Alors, je ne savais pas que vous aviez une vie noctambule, vous. La nuit, elle se fait de Catherine. J'ai peur parce que je suis plus planquée que Pierre. Alors là, parce qu'il y en a un ou deux dont je me doutais qu'elle les connaissait. Hein, elle change de prénom pas, la nuit. Je ne citerai pas de nom. Mais vous, Caroline, je ne savais pas que vous faisiez des sorties nocturnes. Ah non, c'est pas ça. Pardon. C'est qu'elle est aussi physionomiste au Krypton.
À Bry-sur-Marne. Ah, il y a un truc rigolo que vous racontez. Al Pacino qui se pointe un jour. Oh, quelle honte. Alors bah, il se présente avec un autre copain. Ils ont tous les deux une barbe, un chapeau, un bonnet de laine. Il fait froid, ils sont bien emmitouflés. Et font un peu peur. Et moi, je dis, je suis désolée, je ne vous connais pas. Donc, je parle en anglais. Et il me dit, je suis Al Pacino. Mais comme vraiment, pour moi, c'était loin d'être Al Pacino, en plus mon idole, c'est pour ça que j'ai honte, je lui ai répondu que oui, et puis que moi, j'étais la reine d'Angleterre. Il est parti vexé. Et deux, mais deux secondes après, il y a un client qui arrive et il me dit, oh, Josie, il y a Al Pacino, il sort d'ici. Oh. Vous l'avez pas rattrapé? Bah, reviens, Al! Non, faut jamais, à mon avis. C'est ça, ouais, tiens, la reine d'Angleterre, tiens. Caroline. Alors, il faut les qualités de Josie, d'accord? Effectivement, donc vous que la connaissez. Je la connais depuis longtemps. Je suis sortie. Oui. Okay. Alors, ma fille, si tu écoutes, je suis sortie à partir de l'âge de 25 ans, officiellement, donc à partir de l'âge de 16. Donc, ça fait quelques années. Oh, alors, ce qu'il y a de bien chez Josie, c'est qu'elle accueille aussi bien les gens connus que les gens qui ne le sont pas. Donc, ça, c'est important. Deuxième chose, c'est une des rares personnes de la nuit que je n'ai jamais entendu dire du mal d'une autre ou vous raconter des anecdotes. Et croyez-moi pourtant, elle en voit, parce que moi, quand je suis chez elle, j'en vois des choses que je ne raconte pas non plus. Mais elle. Oh, bah merde, on va se faire chier ce soir. Par exemple, allez, on ne va pas vous embêter à vouloir absolument des noms, mais prenons un nom de vedette internationale qui a vraiment poussé le bouchon un peu trop loin un soir dans une discothèque. Je le dis, oui, vraiment. Allez. Oh, le pauvre. Allez, Josie. Allez. Mickey Rourke. Mickey Rourke. Ah oui, il est un peu violent, lui, non ? Oui. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui boit, pourtant. Non. Non, c'est vrai, hein. Oh, c'est pas gentil de dire. Non, moi, j'aimerais savoir comment on entre à tout prix. Je dois être habillée comment ? Est-ce que je dois vous sourire ? Est-ce que je dois avoir l'air hautain ? Est-ce qu'il faut que je sois accompagnée de jolies filles, de beaux mecs ? On est 5, on est 10, on se met devant, on est derrière, on vous appelle. On ne sait plus. Comment on fait ? C'est très simple. Arriver en souriant, surtout pas conquérant. Mmh. Accompagner si possible, c'est mieux. Soyez charmant, soyez souriant, ne soyez surtout pas conquérant. Alors, le truc que je déteste le plus maintenant avec le portable, c'est ce qui arrive avec le portable, genre la tête baissée, salut. Comme dans Jet Set, genre, ouais, il est à l'intérieur, il m'attend. Hein, voilà. C'est ce que fait Samuel Levillan dans terrible, Jet Set. Terrible, terrible, terrible. C'est vrai. Donc, non, c'est. Et les diplômes, il faut montrer les diplômes en arrivant. Non, mais. Des fois, il y en a qui ont sans diplôme. Mets ta médaille de guerre. Il y a quand même des trucs jouissifs devant les boîtes de nuit, parce que quand on était jeune, c'est vrai qu'on voyait les gens attendre. Mais le petit con qui arrivait, qui poussait tout le monde comme ça, et on se disait, mais pourvu que lui se fasse refouler. Et il arrivait devant, nous poussant tous, et on lui disait... Et il était refoulé, n'est-ce pas ? Il était refoulé, c'était jouissif. Mais moi, je suis très gêné quand je vais dans un genre d'endroit, et que je vois le portier qui fait comme ça, et qui fait écarter les gens. Je jure que c'est pas de la fausse modestie, c'est un sentiment, je dis, mais si j'étais à la place de ces gens-là, je me filerais des coups de pied. Non, mais c'est insupportable. Moi, je suis comme vous, j'y pense. Deux secondes, mais j'en profite très vite. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Oui, c'est vrai. Annie Lemoine, qui a fréquenté la nuit parisienne pendant longtemps. Un peu. Mais non. Non. Je sens non, tout le monde. Je sens non, tout le monde sur ses petits souliers ce soir. Enfin, tu es pas. Donc elle tient un endroit tout à fait. Oui, c'est vrai. Tout à fait normal. Mais oui. Je suis pas en train de dire qu'elle tient un endroit, mais je suis simplement en train de dire que vous n'osez pas dire que parfois vous sortez la nuit. Enfin merde. Ah bah je suis sortie maintenant. Bon bah voilà. Mes parents sont d'accord. Assez souvent. Non, moi mon problème c'est de faire rentrer des gens. Combien de personnes on peut faire rentrer? J'ai été un jour, pas refoulée, mais enfin, j'ai pas pu faire rentrer tout le monde, tout ce que je voulais, à Cannes, pendant le festival. C'était il y a 2 ans. Et il y avait des maquilleuses, il y avait des gens qui ne passaient pas à l'antenne, et il y en avait beaucoup. Alors, on m'en a accordé 2, 3, mais pas tout le monde, vous comprenez? Mais est-ce que vous acceptez des bandes? On accepte les bandes à condition que. Celle de Johnny Hallyday. Les bandes à condition qu'ils viennent deux par deux. Voilà, tous les quarts d'heure. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire, évidemment. Il ne faut jamais arriver à 10 pour rentrer dans une boîte. Il faut arriver à 2, les 2 autres 5 minutes plus tard, et ainsi de suite. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. D'abord, c'est que personne n'a dit que physionomiste, ça venait des casinos. C'est dans les casinos qu'il y a un physionomiste pour se rappeler les joueurs qu'on laisse entrer sans carte, sans rien demander. Mais vous dites que vous êtes contente d'aller au cabaret parce que l'ambiance va être très bien, parce qu'il y aura des matelas par terre.
Alors, je me pose des questions. Vous l'avez bien dit, il y aura des matelas. Oui. Bon, non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des matelas. Il est extrêmement fatigué en ce moment. Non, mais qu'est-ce qu'on fait sur les matelas? On va pas là-bas. On va pas là-bas pour dormir. Elle ne peut pas répondre, c'est pas de son ressort. Voilà. Vu la Pierre. C'est le linge, Pierre. C'est le linge. Puis, avant de partir, regardez-nous bien. On arrive. Ne vous inquiétez tous pas. Tous ensemble. Je vous donnerai les noms de ceux qu'il ne faut pas laisser rentrer. D'accord, Laura. Et surtout de ceux qu'il ne faut pas laisser ressortir. D'accord, Laura. Allez, on va vous remercier. Josie, physionomiste, hôtesse d'accueil aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Merci tout le monde. Bonsoir. Depuis plusieurs semaines maintenant, les étudiants en gym, et oui, ça existe en sport si vous préférez, manifestent un peu partout en France sans s'essouffler, ce qui est la moindre des choses vu le métier qu'ils projettent de faire. Ils sont 55 000 issus de la filière sport à protester actuellement contre une réduction de 41% des postes de profs de sport en France. Un étudiant sur sept seulement, intégrera l'éducation nationale l'an prochain, faute de postes suffisants dans les collèges et les lycées. Ils ne sont même pas encore profs de gym, qu'ils en ont déjà plein les baskets. Ils manifestent actuellement un peu partout en France. Et pour parler avec nous de ce sujet, nous allons tester ensemble un étudiant en troisième année de sciences et techniques des activités physiques et sportives, STAPS, prof de gym, quoi, comme on disait quand on était à l'école. Hein. Voici Bertrand Perrin. Bonjour. On disait d'ailleurs aussi, moi, à mon époque, prof d'éducation physique et sportive. EPS. Ah, ça, c'est toujours d'actualité. Ça, c'est toujours d'actualité. Ça, donc, nos profs de gym qu'on avait au lycée, c'est pas vous. C'était les profs d'EPS. Si, c'est nous. Si, c'est lui. C'est nous. Ah, bah, c'est bien. C'est lui, ton prof de gym. Reconnais-le. Je sais pas. Je suis pas bon à la cordeliste, mais je suis bon. Oh, ne me parlez pas de ça. La cordeliste. Oh, ça, le jour où il y avait cordeliste, moi, je disais que j'avais mes règles. Là, je fais référence à vous, les filles, quand parce que quand il y avait piscine, le nombre de filles. Et quand il y avait piscine, qu'est-ce que tu disais? Le nombre de filles qui est au ragnagna 10 fois par mois. Hein? Non, franchement. Non. Tout à fait. Maintenant, nous allons parler des verrues à la piscine. Allez, redevenons sérieux deux secondes, parce que manifestement, vous êtes vraiment en colère. Les futurs profs de gym, les étudiants, c'est trop compliqué à dire, étudiants en sciences et techniques des activités physiques et sportives, parce que, ben, vous avez suivi, j'imagine, comme la plupart des campagnes d'affichage qu'il y a eu quelques années de ça, en disant « Allez, devenez prof de gym, devenez prof, devenez enseignant. » Puis alors, maintenant que vous êtes, je ne sais pas en combien d'années d'études. Troisième année d'études, on vous dit bah, « Oui, mais l'année prochaine, il n'y a pas de place. 41% des postes sont supprimés. Ouais, » ouais. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a moins besoin de profs de gym? Ou est-ce que ça veut dire tout simplement qu'il y aura évidemment des carences, des manques de profs dans les lycées et les collèges l'année prochaine? Le double argument, c'est qu'il y a des classes d'âge moins fortes et des départs à la retraite escomptés qui n'ont pas eu lieu. Donc, au lieu d'avoir besoin de 1500 profs par année, on n'a plus besoin, disent-ils, que de 780. C'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près ça. C'est vrai, hein? C'est ça, tout à fait. Vous savez, moi, je travaille beaucoup les dossiers. Je ne suis pas bon à la cordeliste, mais je suis très bon sur les chiffres. Alors donc... Donc, évidemment, vous dites que ce n'est pas possible, vous dites qu'on vous a fait une fausse promesse et vous descendez dans la rue. Oui, mais par exemple, nous, on a des normes. On a des normes qui respectent pour les profs de PS, qui sont très cadrées, pour dire, voilà, il faut un prof de PS pour tant d'élèves. Sauf que l'année dernière, par exemple, dans une classe de PS, il fallait 30 élèves, et cette année, on est passé à 35 élèves par classe. C'est subtil, c'est de la même mathématique, mais sauf que ça correspond pas. Il paraît que ça remet en cause la sécurité, par exemple, quand on emmène les enfants à la piscine ou des choses comme ça. Ce qui est important quand même de préciser, enfin, ce que j'ai lu dans le dossier, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants, dans votre cas, qui vont rester sur le carreau, même s'il y avait plus de postes. Ouais. Donc visiblement, ce qui est important, c'est d'obtenir aussi un équivalent de ce diplôme que vous aurez à la fin du STAPS, pour pouvoir travailler, le cas échéant, de toute façon, Qu'est-ce que vous pouvez ailleurs, faire parce que pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent. Ben justement, c'est la filière est méconnue, mais on peut faire beaucoup d'autres choses. À part prof de gym à la Starac, bon, éventuellement. On peut, mais ça fait une personne. Voilà, en fait. C'est pas assez. C'est pas assez. Non, il y a tout le travail dans les mairies, il y a le travail avec les handicapés, il y a du travail d'entraînement dans les clubs, il y a de la gestion de structures sportives. Mais pour ça, il faut obtenir une équivalence. Non, pas forcément, parce que nos diplômes le font, justement, sauf qu'ils ne sont pas reconnus encore. Et c'est ça que vous demandez. Nous, on veut être reconnus des professionnels et du public.
Annie. C'est génial parce que depuis que vous êtes arrivée, moi j'arrive pas à vous mettre dans le rôle du prof de gym, je vous mets dans le rôle du prof de sciences naturelles. C'est à cause des cheveux longs et des petites lunettes. Il va falloir travailler le look un peu. Parce que c'est une discrimination justement, on pense que tous les profs de PS, ils arrivent avec les baskets, les survêtements et tout, j'aurais pu le venir. Ça. Tout le monde voit Laurent Gamelon. Je vais parler des cheveux. Non, par exemple, je sais que pour passer le concours, il fallait avoir une bonne vue relativement. Ouais. Ah non, non, ça c'était justement dans le temps, c'est ce qu'on disait, la vision, ça n'intervient en rien. Prends ça dans tes dents, pour faire le poirier, ça. Justement, élargissons un peu le débat, parce qu'on a bien compris vos revendications. Est-ce que vous avez des bons souvenirs des cours de gym, vous, Jean-Luc? Oui, j'avais des... parce que j'adorais ça, ça me défoulait. Bon, en plus, ça me permettait de montrer ma musculature assez impressionnante. Et puis, j'aimais bien voir les filles transpirer dans leur petit t-shirt. Donc oui, c'est des bons souvenirs. Et puis, j'ai énormément de respect pour les profs de gym. Je trouve qu'ils souffrent plus que les autres parce que c'est quand même très difficile de rester digne quand tu passes toute ta vie en survêtement. Et ça, c'est... Donc, maximum respect. Annie, vous étiez bonne en quoi, vous? En roulade? Non, moi j'étais bonne en tout, j'ai passé le concours, j'étais reçue. À la corde à nœuds. C'est vrai? Non, mais oui, c'est vrai. Et à la poutre. Barre parallèle. La poutre. Vous avez fait le concours, vous pourriez être prof d'éducation physique. Non, j'ai pas tellement envie d'en parler en fait. Ah bon? Non. Et pourquoi? Mais ça va, tu veux pleurer un coup? On est salis. Ben, c'est quelque chose qu'on ignorait, nous. Oui, oui, bah oui, que tout le monde ignore d'ailleurs, mais... Mais là, tu nous fous les boules, tu nous fais peur d'un seul coup, là. Mais maintenant, tu parles de la gym, je te vois bien en propre gym. Allez, allez, faites votre sporting out. Non, je peux pas en parler... Oui, ce serait un peu ça. Je peux pas en parler sans mettre en cause quelqu'un d'autre qui était prof de gym et qui, à un moment donné, dans mes études, m'a fait un peu perdre pied. Ah, qui c'est qui a profité? Donc, qui a oubliez-moi profité sur du survêtement. Oubliez-moi sur ce dossier. Bon, très bien. Maintenant, je comprends mieux cette fixette sur les rugbymen, en tout cas. Arnaud Gidouin. Si, j'ai un souvenir un petit peu tendu. Ça, c'est une émission pour faire passer les... pour faire passer les angoisses intérieures. C'est superbe, cette émission. Ça, d'un seul coup... Bonjour. Oui. Bonjour, je m'appelle Laurent Ruquier. Moi aussi, j'ai été victime d'un prof de sport. Voilà, c'est vrai. Avec la voix, tu sais. Et toi, Caroline, depuis combien de temps tu es là? J'étais avec un prof de sport pendant 2 ans. Je ne veux pas parler de lui, c'était un salaud. Moi, j'ai eu 20 au bac en gym. C'est alors, quand on me voit, ça paraît incroyable. C'est possible parce que j'étais très bonne en gym au sol. Voilà. Moi, je me suis fait, tout à l'heure, évidemment, j'ai déconné, mais je me suis fait dispenser pour l'épreuve de gym, de sport au bac, parce que j'étais tellement nul, je ne savais même pas faire une galipette, je ne sais pas comment vous appelez ça, vous. Une roulade. Oh, c'était l'horreur, monter la corde, je ne savais pas faire non plus. Est-ce que vous êtes dur encore à l'épreuve? Parce qu'à l'époque, quand même, c'était vachement surveillé, pour se faire dispenser, c'était pas facile. Là, c'était l'époque, justement, c'était... parce que derrière, quand on dit la corde ou des choses comme ça, ça, c'est des choses qui ne se font plus. C'est vrai c'est... On a changé, plus justement, de tout ça. Bah non, il y a l'ascenseur. Non, non, c'est plein d'autres, justement. Il y a l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Non, mais on fait du sport en général, on fait de la natation, c'est des choses qui se faisaient peut-être pas avant, mais on fait des sports de pleine nature. Non, mais par exemple, on fait de l'escalade, Mais je vous laisse faire des barres parallèles, il n'y a plus non plus. Des barres parallèles, on fait d'autres choses, on fait de tout. Et le saut à hauteur. Mais tu avais oublié ça, le saut à hauteur. C'était terrible, le saut à hauteur. Le saut à hauteur, c'est très bien, le saut à hauteur. Mais c'est terrible, le saut à hauteur. Comment il s'appelle le connard? Foxbury? Comment il s'appelle? Foxbury. Ah, il m'a fait chier celui-là. Alors celui-là, il m'a emmerdé, Foxbury. Mais c'est plus facile que le rouleau californien que je faisais moi. C'était mon rouleau. C'est l'éducation sexuelle. Le rouleau californien. Ce qu'il y a de super avec la gym, c'est que généralement, celui qui est bon en sciences naturelles est mauvais en gym. Celui qui est bon en gym est mauvais en sciences naturelles. Toi, t'étais bonne c'est en génial quoi? J'étais alors... bonne en gym. C'est vrai que j'ai une petite phrase, moi, le prof de gym, quand on faisait du 100 mètres, il me disait « Alors, Gidouin, pour le départ, faut que je t'envoie un fax. » Et ce qui est génial, moi, ce que je plains le plus, c'est les profs qui prennent les élèves juste après le cours de gym. Ah oui. Parce que ça sent le poney dans la classe, c'est une horreur. Il y a les douches pour ça. Quand tu prends une douche, t'as pas de poils, tu vois le mec d'à côté qui a plein de poils, t'es là, oh la vache, honteux, t'es là. Et toi, t'es là, putain, pourvu que ça pousse, tu tires dessus la nuit et tout. Tu mets de l'engrais. Ben, on vous remercie. En tout cas, Bertrand Perrin, on espère que vous serez entendu. Merci bien. Au revoir. À l'anglais.
Thérèse, c'est le nom du single de Patchy, sorti le 16 mars dernier. Patchy, c'est l'un des tout derniers candidats de la Starac 3, qui avait, vous vous souvenez, une coiffure un peu bizarre, qui s'était fait battre en demi-finale par Michal, je refais l'histoire, et qui, au passage, Michal, je le dis, n'a toujours pas rendu la fameuse orange qu'il a volée. C'est pas bien, hein? Il a dit que c'était pas lui, d'accord? Mais nous, on ne croit pas. Bon, on en saura peut-être plus avec Patchy, qui est en tournée avec ses copains de la Starac pendant tout l'été. La semaine prochaine, je crois, il sera à Strasbourg. Mais surtout, l'important pour lui, c'est cette première chanson qui préfigure, j'imagine, d'un album. La chanson s'appelle « À l'anglaise ». Voici Patchy. Bonjour. Bonsoir, enchanté. C'est la première fois que nous vous recevons. On en a vu défiler, hein, des élèves de la Starac ici, autant vous le dire. On a même eu votre prof, là, il n'y a pas longtemps. Armande. Vous n'en êtes pas fait une copine d'Armande, Pierre Bénichou, hein. Elle est bien aussi, elle est assez kabbaliste aussi, je crois. Je l'ai au téléphone, elle vous embrasse. Bon, alors avant de donner la parole à mes petits camarades, d'abord, on va regarder un extrait du clip, évidemment. Et moi, je tiens à dire que, pour être très honnête, il y a quelques semaines, je l'ai raconté d'ailleurs à la radio, le réalisateur de l'émission écoutait les nouveautés du disque, a mis ça, je ne savais pas qui c'était. J'ai entendu. Je dis, tiens, c'est pas mal ça, je savais pas que c'était vous. Et après, il m'a dit, c'est Patchy. J'ai fait, ah bon, bah très bien. Non, non, mais voilà, il faut être objectif quand on trouve quelque chose pas mal avant de savoir qui c'est plutôt bon signe. Ouais. Ce que Laurent franchement... ne vous dit pas, ce que Laurent, si tu me permets, oui, de faire une confidence, c'est que pendant tout le temps où il nous embêtait, j'ai vu Star Academy hier, un tel va sortir, et il y en avait que pour Patchy. Patchy, oui. Patchy, je le trouve, oui, c'est le meilleur. Oui. Je trouve, c'est... Donc, c'est vrai. Vous étiez son favori avant même d'avoir fait votre disque. Exactement, et je trouve qu'il confirme avec ce single, parce que franchement, ça change de toutes les, voilà, les soupes qu'on entend habituellement, c'est toujours la même chose. Au moins, c'est vous, c'est votre personnalité. Extrait du clip. Elle a filé à l'anglaise, moi je l'ai pas vu partir. Elle a filé en douce, j'ai pas pu la retenir. Alors tant pis pour moi. Alors tant pis pour moi. Alors tant pis pour moi. Alors tant pis pour elle. C'est court, mais... Ouais. J'ai fait écouter évidemment le single à l'ensemble. Ça, très bien. Le seul truc que je me suis dit, c'est peut-être un petit peu... Il y a un petit risque à l'appeler comme ça, parce que vous vous rendez compte, quelqu'un qui écouterait ça, qui dirait « filet » à l'anglaise. Vous comprenez, c'est un peu embêtant, mais ça appelle un commentaire. Ça. C'est pas très bon, ça, Pierre. J'ai bien aimé. Je vous ai connu meilleur. Je l'avais préparé, pourtant. Mais il faut que je prépare rien, c'est sûr. Non, c'est facile, hein. C'est pas parce que j'ai balancé que vous le trouviez bien à la télé. Moi, la question que j'avais posée, c'est papa, maman sont pharmaciens, vous avez fait un mini-scandale chez vous quand vous avez dit je vais faire la Starac. Et qu'est-ce qui motive ce besoin de reconnaissance? Vous voulez être une star et vous avez ça en vous, mais d'où ça sort, d'où ça vient? Pourquoi? C'est pas un besoin d'être une star, depuis tout petit je veux faire comédien. Et puis il y a quelques années je suis tombé sur un de ses albums. Et puis je suis tombé amoureux de sa musique et de ses textes et j'ai commencé à écrire moi-même. Je me suis acheté une guitare, j'ai commencé à jouer. Et puis, voilà, mes chansons me plaisent, elles plaisent à mes amis. Je me suis dit, bon, on va se lancer. On va le dire, les paroles et la musique de cette chanson. Patchy Garat, c'est votre nom de Garat. Famille. Garat, on doit dire. Ouais. Ah, pardon. Déjà qu'avec Patchy, j'avais du mal. Garat, en plus. Alors, mais en revanche, je n'ai pas mis, comme les autres, votre nom sur la pochette. Vous restez Patchy. Bah, oui. C'est surtout l'avantage de s'appeler Patchy. Oui. S'il n'y en a pas beaucoup, des Patchy. C'est vrai. Pourtant, pour être Patchy, il faut être deux. Elle est bonne, celle-là. Celle-là, moi, je me plais. Elle est bien, celle-là. Caroline Diamant. C'est bien que vous ayez fait votre truc tout seul. Malheureusement, ce que je vais faire est très injuste parce que vous arrivez à un moment donné où mon vase est plein et où je crois que je n'en peux plus d'avoir un énième candidat de télé-réalité qui fait un disque. Alors, c'est vrai que, très honnêtement, si j'avais Lucas en face de moi, je pourrais me défouler beaucoup plus violemment parce que, pour moi, c'est un ectoplasme qui s'est enchaîné trois chorégraphies et qui, tout à coup, fait un disque. C'est profondément injuste. Il y a une jeune fille comme qui fait... Mais c'est casse... Attends, il est hyper elle a touché à mon Lucas. Alors...
C'est rare que je sois pestre. Mais je pense que vous avez l'intelligence pour comprendre. Vous avez envie de faire ce métier et vous avez envie de durer. Et dans 20 ans, vous serez dans votre, devant votre télé et il n'y aura pas de place pour vous si vous êtes un artiste. Parce qu'il y aura de la place pour la télé-réalité, pour la Starac 25. On prendra des jeunes qui ont un physique agréable avec des tablettes de chocolat, des filles avec le cul qui va bien, la gueule qui va bien et qu'elles aient du talent ou pas. Finalement, ce n'est pas très important. On était censé faire le disque du gagnant de la Starac. On était censé faire le disque du gagnant de Popstar et de la Nouvelle Star. On a les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes et c'est les troisièmes éditions. On en peut. Ça va pas durer très longtemps. Voilà, ça c'est va pas vite, bien ça pour ce métier du disque. C'est pas faux ce que vous dites. C'est pas faux, mais je trouve que presque, c'est paradoxal, la Starac prouve le contraire. Parce qu'avant que la Starac n'existe, il y a 3 ans, c'était peut-être déjà aussi difficile pour des gens comme Patchy, qui effectivement sont pas dans le moule de la variété, du disco, d'apparaître. Et c'est pas le premier d'ailleurs. Souvenez-vous qu'il y a 15 jours, on a reçu une fille qui était d'ailleurs dans la Starac, un ou deux, j'ai oublié, mais ouais. qui s'appelle Olivia. Voilà, Olivia Ruiz, qui chante J'aime pas l'amour, qui est géniale, qui a fait un album formidable. Mais je dis pas qu'il n'y a pas des gens bien. Je dis que. Il est méchant quand même, t'as un mauvais fond. Elsa okay, Fayer. Je comprends ton point de vue en tant que femme qui vient de l'univers du disque, mais je trouve que tant que les gens achètent et si les gens vous aiment et si ça leur fait plaisir de vous acheter, et ben tant mieux. Et voilà, pour ça, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de courage, plein de chance et que ça fonctionne. Et je voulais juste revenir sur un truc avec vous. Merci. Je voulais savoir. Mais non, mais c'est vrai, il est tout chou. D'ailleurs, ça va? Mais oui, il est chou. Ouais, très bien. Très bon, très parce que j'ai pas beaucoup dormi, mais. C'est dingue, vous trouve chou. Mais oui, c'est pas chou. Il y a un truc qui me tétanise. À chaque direct, vous avez dû chanter et danser la bamba. Ouais, ouais. Je voyais vos encore visages qui devenaient dépités de semaine en semaine et là, vous les enchaînez même sur d'autres télés. Je voulais savoir, la bamba, ça vous plaît ou ça vous plaît pas du tout? C'est comme un jeu, il faut... C'est obligé. Ben on chante tous les... On le chante tous les soirs, là, hein, sur scène. Et c'est... J'ai une autre question. Qui a volé l'orange? Ça, c'est la question la plus ringarde qu'on entend tous les jours. Ben, vous aurez la réponse bientôt, parce que le 12 avril prochain, dans notre prime à 20h50, vous verrez qu'il y aura une parodie de la Starac chantant l'orange avec un duo virtuel avec Gilbert Bécaud qui répondra qui a volé l'orange. On aura la réponse le 12 avril prochain sur France 2. Et je sais pas qui frappait. Je crois que c'est Pierre Bénichoux qu'on a déguisé en Patchy. Parce qu'on trouvait physiquement, c'était ce qui allait être plus évident. 3 ans après, c'est vrai qu'on se ressemble. Bon, sur votre titre, on ne dansera pas, mais en tout cas, moi, je le trouve très bien. Voilà, à l'anglaise, je trouve que ça change et que c'est agréable à écouter. J'espère que les radios, j'espère pour vous en tout cas, vont le diffuser. Vous pouvez passer sur Europe 1. Hein. Ben, je l'ai déjà fait. C'est là que je vous ai entendu. Sûrement, un des premiers à le diffuser. Ah oui, j'y étais. J'étais pas au courant. Alors, c'est même le nouveau générique de l'émission de Laurence. Eh ben, tenez, promis, je le repasse demain. Voilà, vous pourrez écouter demain. On le passera à nouveau à l'anglaise. Patchy, vous restez avec nous pour le Takafini. Vous connaissez notre jeu? Bien sûr, bien évidemment. Valérie Giscard d'Estaing a déclaré « L'auvergne reste présent. Hein. Belle attachante, j'aimerais penser que... » Que quoi? Que je vais passer au troisième tour. Non. Donc que j'ai été utile, je crois, un truc comme ça. Que j'ai été utile, bravo, vous lisez bien. Patchy, bonne vue. Très bien. Oh, le tricheur. Mais je regarde pas. Vous avez triché, espèce de Lucas. Calogero, maintenant. Vous aimez bien Calogero? J'aime bien, ouais. Et il déclare dans Gala, l'actualité des gens célèbres, sur scène, je deviens sauvage. Je pourrais... Griffer, rugir. Griffer. Non. Tout casser. Rugir. Non. Mordre. Manger mon micro. Mordre, non. Manger mon micro. Non. Pleurer. Pleurer, non. Je pourrais chanter. Chanter, ouais. Non. Il chante très bien. Ouais, oh. Non, mais c'est... C'est ma journée mauvaise. Hurler. Hurler. Je pourrais déchirer mes vêtements. Il avait la migraine cette nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les mauvais poils. C'est comme ça. Ah, bah, je pourrais être de mauvais poils. Non. Alors, il y a le mot poil dedans. Mais ah c'est... Bon. Je pourrais mettre ah, à poil. Je pourrais, je me pourrais mettre à poil. Bravo, Patchy, c'est gagné. Olivier de Kersauzon déclare, lui, il est en pleine tempête en ce moment. Une à bord, c'est comme toutes les de la vie. Une femme. Il y en a qui durent une heure et d'autres une minute. Une femme à bord, c'est comme toutes les femmes de la vie. Il y en a qui durent une heure et d'autres une minute. C'est ce que vous pensez? Une pipe. Très bien. Pas lu la fin de la phrase. Une pipe. Une pipe, très bien, oui. Non, une merde. Une pipe d'une heure, madame. Est... Madame est généreuse. On travaille sa diction. On travaille sa diction.
D'ailleurs, tu travailles ta diction, toi. Bah ouais, tu lui fais un bic. Une difficulté, d'abord, quoi. C'est une comme. Une difficulté, hein. Non, non, ouais. C'est pas ça, dans le genre. C'est une mer, d'abord. Ou une... Non, non. Une avarie. La réponse est dans la question, pour tout vous dire. Une couille. Une couille. Comme toutes les couilles de la vie. Hein, dites, une minute. Une minute à bord. Une minute à bord, exactement. C'est comme toutes les minutes de la vie. Il y en a qui durent une heure et d'autres une minute. Réponse collective de Jean-Luc Lemoine. Et le patchy. Ça veut dire quelque chose, patchy, d'ailleurs? Non, ça veut dire... C'est comme Laurent, ça veut rien dire. Je vous remercie. Patchy, à l'anglaise. Il y a la version acoustique, la version originale dont on a vu un extrait tout à l'heure en clip. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Aussi bien dans la chanson que dans la comédie. Merci à vous. Merci beaucoup. À demain, bye bye.